J'ai dû castagner la gueule. Que j'ai envie de jouer tank cette game. Tu vois avec ça. Péjou, c'est un vrai top laner, gros. Non, j'avoue que pas top lane comme un coup de balle, tu vois. Tellement bien mort de putain. Vu comme je suis tanky, il peut pas me tomber. Je suis très tanky, je suis très puissant. Et yo, du coup, les potos, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. J'ai décidé de tester Mordekaiser tank. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il y a quelques jours en solo queue, je me suis fait complètement exploser par un Mordekaiser qui joue avec le Shimiko. Donc, ça te permet en fait d'engager, de courir vite vers tes ennemis. Donc, l'item est complètement viable et vraiment très fort sur Mordekaiser parce que tout simplement, Mordekaiser est un perso pas mobile du tout. Il n'a pas de dash, il a rien pour aller sur ses adversaires. Étant donné qu'en général, tu joues créateur de faille. Donc, je me suis dit pourquoi pas le tester. Franchement, j'ai kiffé, j'ai adoré. Donc, je joue Shimiko et Train Démoniaque qui me permet d'être très tanky, sachant que Mordekaiser a énormément de dégâts de base. Je joue en lane contre un Wukong, j'aime énormément pick Mordekaiser contre un Wukong. Je trouve que le matchup est super simple sur Mordekaiser. Bien entendu, c'est pas une game sur un smurf, c'est une game sur mon main, sur mon main compte qui est D1 à l'heure actuelle où je vous parle. Donc voilà, c'est une belle game encore une fois, on va essayer d'en mettre un petit peu plus, donc je mettrai quelques games sur YouTube avec des petits persos que je maîtrise un peu moins sur du plus bas et low pour voir un peu le potentiel du perso, et d'autres où je joue des persos que je maîtrise pour par exemple parler de certains match-up ou quoi, ou comment carry de telle façon. Là, clairement, c'est encore une game où j'arrive vraiment, vraiment à bien la carry. En plus, je me trompe dessus mon heure, je joue Ghost Flash au lieu de TP Flash. C'est un bordel un peu, enfin, dans ce sens-là. Mais sinon, la game est vraiment géniale. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir et vous allez voir qu'il y a vraiment des moves vraiment assez insane et vraiment des moves clutch, c'est-à-dire très décisif. Donc, c'est super important dans ce genre de vidéo de regarder vraiment bien comment ça se passe parce que potentiellement, vous pouvez vraiment reproduire ce genre de situation dans vos games et ça vous permet vraiment de faire la différence. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de Mordekaiser tank. Est-ce que vous préférez le jouer de façon tank ou de façon AP offensif? Et surtout, n'hésitez pas, like la vidéo, surtout abonne-toi aussi, ça me soutient énormément. Hein. Un petit abonnement, c'est un clic, ça prend vraiment 2 secondes, ça me soutient vraiment beaucoup. Merci les gars, merci pour tout le soutien, j'espère vraiment que vous allez kiffer cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, c'était Péjou, à très bientôt. Allez, c'est parti. Ah, je suis triste en vrai, la TP est trop utile. On va dire... Après, on va dire que le ghost, ça peut être utile en vrai. Je vais aller check notre aide. Je vais le warder. Je vais le warder, on sait jamais si bleu into red, au moins on aura l'info. Bon, on sait du coup où il a start. Je peux me faire grand niveau 2 en vrai. Hein. Parce que s'il me tue dès l'early game, je suis dans la sauce. Hein. Ah, Wukong en early, ça va. Ça peut-être pas le meilleur early du jeu, mais en fait le fait qu'il peut E et avoir un gros boost d'attaque speed, c'est ça qui le rend assez fort. Il a pas l'air de jouer trop agressif ce Wukong. Ok, Nunu est là, on l'a vu. Pas de prio par contre. J'ai pas d'info Nunu. Il veut freeze, c'est normal. Que dégâts. Je pense pas que Nunu est topside. Enfin, c'est pas logique. Hein. Oh, c'est à... ça a aucune logique, gros. Qu'est-ce qu'il fout topside, putain de merde. Ça a pas de logique. Explosion. Là, je suis très, très, très curieux, là. Je peux pas l'avoir. Je peux. Lui, je peux. Lui, je peux. Et lui, je peux, donc ça va. J'ai pris d'anti-heal pour Wukong. Bon, du coup, je perds double save. C'est un peu dramatique. J'ai cassé le mur en deux. J'ai cassé complètement le mur en deux. Là, il faut que j'attende. Il faut que je joue safe avant mon niveau 6. Bon, de toute façon, je devrais avoir. Je pense que je l'aurai sur cette wave. Après, c'est pas Wukong qui a eu le. Donc ça va. Nu et bot. Ok, je suis tranquille. En vrai, ça va, je suis fine. Maintenant, on va le boloss. Hein. On va essayer de le boloss au tour. Je vais aller chercher le carap. On va aller jouer le carap. Après, je suis fine en CS. Mais ça me fait chier. Je voulais vraiment pas jouer Ghost, quoi. Faire TP, hein, ça me perturbe. Ça sert à rien que je l'ulti. Tu auras jamais de toute façon. On a l'info sur lui, on a le carap, c'est important. Ok, Wukong est niveau 6. Est-ce qu'il va oser du coup ma 1v1 ou pas? Est-ce qu'il va tenter? Ou est-ce qu'il va faire son petit trou du cul et pas jouer? Je pense qu'il va faire son petit trou de balle, il va pas jouer. Bon, je vais push ça, je pense. Je vais reset sur la prochaine wave. Je vais faire un petit back. Ok. 49 à 46, c'est ok. Hein. On bolosse un peu là. Hein. Pas d'info du nuit encore. Ok. Je pense que Nunu est vers le Drake. Je vais aller. J'ai même pas envie de G-Power d'en vrai. J'ai envie de lui castagner la gueule. Je sais pas s'il a sa TP. Moi j'en ai pas du coup. Je vais prendre la plaque. On le tape un peu sur la tête. Hein. Donne-moi la plaque là. Ou même sur le clone, je lui tape dessus. Ça, je sais pas s'il a sa TP, c'est ça le problème. Je pense que oui, hein. Je pense qu'il a. En plus, j'ai plus mon Z. Normalement, il peut pas freeze. Ok, on reset sur ça. On va récupérer ça, des bots. Que j'ai envie de jouer tank cette game. Tu vois, avec ça.
Vas-y, on va jouer. Oh, je vais tester. Je l'ai déjà testé une fois. Je vais tester avec Shimiko. Parce qu'ils ont une Ulu, un Twitch, une Annie. J'ai envie de hard engage. J'ai pas forcément envie de jouer avec l'autre item. On va jouer un peu tank, on va dire. Pise mort 2 il me dit frère. Il a utilisé son clone au bon moment, quelque chose quoi. Tu t'es fait one shot gros, tu veux que je te dise quoi. On est niveau 9, on peut récupérer cette plaque. Ou pas. S'il veut me regang derrière, hein, c'est très facile hein, du coup le Nunu. Tu vois quand tu veux gros. On va s'énerver. S'énerver les gars, tranquille. J'avoue. Juste moi qui dis qu'il faut pas s'énerver quoi. Est-ce qu'il fout topside putain de merde. T'as pas de logique. Vas-y, on va jouer avec beaucoup de CDR. Ça me fait chier parce que du coup j'aimerais bien par exemple sur ce timing là pressure plus ou moins le topside et pouvoir TP bot. Après il y a un Drake qui va pop hein. Je vais push ça avant. Là le Wukong il va se régaler hein. Ah ouais il se régale gros. Bon c'est pas grave hein. C'est plus important ça. Ils peuvent pas le jouer. Est-ce que je peux m'incruster là. Bon, sympa le ghost en vrai non. Ouais, let's go. Pendant ce temps, tu vois, Peugeot c'est un vrai top laner, gros. Moi, je suis un vrai top laner. Moi, je suis là, je suis Al, je suis présent. J'affe que pas top lane comme un coup de balle, tu vois. Gros, ça fait plaisir, on a fait un bon move. Je suis tanky en plus. En vrai, je vais mordre comme ça. Pas mal. Parce que je m'étais fait casser le cul par un mec qui jouait comme ça. Là, je vais faire ça. Et après, d'ailleurs, je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir. Vraiment bien mordeux, putain. Franchement, là, je suis content parce que je joue vraiment des champions que je prends tellement de plaisir à jouer. Mordeux, Darius, c'est vraiment des persos que je me régale à jouer, quoi. Je me force pas à les jouer. Je les joue parce que j'adore ça, quoi. J'ai mon flash de up, j'ai bientôt un R. J'ai mal joué. Bon après il a flash. Vous avez vu comme je suis tanky, il peut pas me tomber. En fait je pensais qu'il allait continuer à courir sauf qu'il a claqué son R et... va niquer. En vrai mine de rien avec ça là, je fais des dégâts avec le Sunfire. Hein. Ah le truc sur la durée là. Qu'est-ce qu'il veut Pedro Lito là. Tant pis pour l'Herald. J'ai pas le time. Ok, t'as voulu le gromp, bah tu vas mourir pour ça. On va faire ça, après derrière on va faire Dandashore j'ai envie de faire. Zonia, je peux faire Zonia aussi. Ouais, Zonia en vrai. Zonia est plus intéressant. Big aussi, mort de tank en vrai, c'est puissant hein, en vrai. Y'a pas de flash, de toute façon, Nunu. Là, je suis très tanky, je suis très puissant. Je vais aller chercher la raid. Nunu qui va forcément arriver, je pense. Je sais pas si c'est wardé. C'est risqué ce que je vais faire. Hein. Tout c'est méchant. Je pense que j'étais vu. Je pense clairement qu'ils étaient là.
Pourquoi il m'a pas aidé le Blitz? Bon, c'est pas grave, on a tué tout le monde quasiment. Blitz, il a reculé, il aurait peut-être pas dû. Ah, c'est là que le Zonia il peut être intéressant en vrai. Avec les Heralds en plus. On a fight sans Katarina. Hein. By the way. Bon, j'ai mon Ghost, j'ai mon Flash, prochain fight. Au final, ça va pas trop handicaper la game. Ça va, ouais, on joue bien là, on joue bien. Là, on va être encore plus tanky avec ça. Ah, j'aurais... Putain, mais ils étaient beaucoup sur moi, là. J'ai gaspillé mon Ghost, c'est pas grave, en vrai. Je suis pas totalement dépendant du Ghost. Ok, beau grave de Blitz, hein. Bien joué, good job. Très très bien joué, ça. Xayah qui avait encore son R, parfait. On devrait le faire vite. Je l'ai ult un tout petit peu trop tard. Après, Annie Liandry, je suis pas fan du tout par contre. Hein. Je pense vraiment que ça doit pas se build comme ça. Ils peuvent le faire très très vite. Ouais. Ce qui me gêne, c'est que j'ai pas de sustain. Alors quand je joue comme ça, je pense que je devrais le jouer avec l'arbre domination pour avoir de la sustain. Les clean à jungle. Oh, vous en pensez quoi de mort de Chimiko? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas? Ouais, je pense que c'est plus du troll. Ouais, t'as plus de régène, mais là en fait ça me permet d'être tanky quoi. Beaucoup de choses, hein. And... Ben voilà les amis, c'était une game plutôt clean à peu près. J'aime bien, je morde comme ça me permet d'être tanky, je kiffe en vrai.